remettons notre vie en jeu. Pas beau, hein? Nous sommes à Karche, Kashgar. Ville de Chine, mais alors qui n'a plus rien de chinois, mais alors plus rien. Cherchez bien, les Chinois, il y en a vraiment très peu ici. La plupart des habitants sont Ouïghours. Et nous sommes donc à l'extrémité occidentale de la Chine. Pas très loin du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, du Pakistan. Et il nous reste moins d'une semaine à passer en Chine. Normalement, peut-être un peu plus. Non, autour de ça. Voilà, donc on va profiter de ces derniers jours dans la Chine, mais dans une ambiance complètement différente de celle qu'on a connue en y entrant. On est en terre musulmane, on est déjà en Asie centrale. Avec tous ces visages métissés, cuivrés, des fois des visages russes, des visages aux yeux un peu en amande, pas complètement bridés, des cheveux de toutes les sortes. Vraiment, c'est un sacré métissage, un peu ce qu'on a vécu en arrivant au Rumqi et qu'on retrouve ici. Par contre, d'un point de vue du développement, les Chinois sont peut-être pas encore tous là, mais on en prend largement le chemin. La vieille ville est en train de disparaître sous des nouvelles constructions modernes et sans charme, genre ce que vous avez en face de vous. C'est malheureux, mais apparemment ici, c'est communément admis, c'est souhaité, disons. On va pas garder du vieux alors qu'on peut faire du neuf, qu'on a les moyens de faire du neuf, non? C'est un peu ce qui semblerait nous répondre. Ouais. Non, je ne fais pas un tour complet, juste les trois quarts. J'ai perdu ma main. Bon voilà, c'était un aperçu de cette ville qui par le passé fut le confluent des paysans venant échanger leurs marchandises. On en verra quelques restes dimanche, mais les choses changent. Bye bye.